Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, le lieu de vaccination se trouve à Orsay, dans les anciens locaux de la CPAM, 3 rue du lycée. Retrouvez les informations pratiques sur le site internet de la ville de Verrières. Dans le cadre d'un atelier gravure, 13 élèves de 12 ans du collège Jean Moulin ont tout au long d'une journée profité de l'initiation à cette technique très particulière au moulin de grès. La gravure a déjà fait l'objet d'un cycle d'exposition à l'orangerie Espace Michel Tourlière. Cet atelier, mené par le professeur d'art plastique du collège, Madame Vallot, a fait de nombreux émules depuis le début de son existence il y a 3 ans et, compte tenu de son succès, est voué à un bel avenir. La remise du 11e prix Vedrarias a eu lieu au Colombier le 12 décembre. Ce concours de nouvelles initié par la ville de Verrières connaît depuis de nombreuses années un intérêt dépassant les frontières de notre pays. Bernard Mancienne a présenté le prix Vedrarias. Ce qu'est ce concours des nouvelles. Et puis elle vous présentera monsieur. Puis Marie-Hélène Seitz, conseillère municipale déléguée à la culture, qui remplaçait Gérard Dossmann, maire adjoint chargé de la culture, a présenté le déroulement de la soirée. Le fait que manifeste cette... Alain Apsier, président du jury Prix Féminin 1987 et président de la Société des gens de lettres, a évoqué la difficulté pour le jury d'exprimer un choix tant les œuvres en compétition étaient de grande qualité. Les lauréats à partir du 7e prix ont été récompensés par les membres du jury. Un recueil des nouvelles lauréates sera disponible prochainement à la médiathèque André Malraux. Vous pouvez lire la nouvelle gagnante sur le portail culturel du site internet de la ville et sur le mensuel du mois de janvier. Vous souhaitez participer au prochain prix Vedrarias? N'hésitez pas à vous renseigner auprès du service culturel de la ville. Pour le 3e prix, Seiko Staven a présenté Madame Sylvette Hurtel pour sa nouvelle apostrophe. Le 2e prix, intitulé « Les mots de l'amitié » de Olivier Delfos Boumezia, a été présenté par Rafi Agopian, ancien lauréat du prix Vedrarias. Serge Pastorini, pour le pentagramme et la puce, a obtenu le premier prix. Agathe Bounier nous a présenté l'œuvre de M. Pastorini, qui a déjà obtenu le 6e prix en 2002 pour la Pietra d'Auch et le 3e prix en 2004 pour le prix de la mémoire. Solène Mathieu, avec sa nouvelle « Le temps d'un regret », remporte le prix spécial jeune. C'est Elisabeth Hesse qui lui a remis son prix. Puis Marie Maclès, responsable de la médiathèque André Malraux, a lu la nouvelle gagnante. La soirée s'est poursuivie avec un récital lecture par le Théâtre de la Cavale qui a interprété Madame II, où trois voix se mêlent pour évoquer la poésie des textes de Louise de Villemorin, celle d'une chanteuse, d'une comédienne et d'un pianiste. Ombre. Lumière. Ombres et lumières. Lumières et ombres. Nous vous invitons à en admirer les variations et les splendeurs du 22 au 31 janvier prochain. C'est un couple indissociable et l'une des clés essentielles pour comprendre le pouvoir des images. Nous vous invitons à en admirer les variations et les splendeurs du 22 au 31 janvier prochain. C'est la troisième manifestation de la saison à l'orangerie Espace Michel Tourlière de la Maison Vaillant. Vous y rencontrerez les œuvres de deux artistes aux techniques fondamentalement opposées, du moins en apparence. L'un, Jérôme Delépine, use avec un talent inouï des glacis et des transparences, délicatement superposés sur la toile pour y faire naître des paysages de pure poésie, comme au temps de la Renaissance. Et pourtant, son travail est résolument moderne. L'autre, Claude Arnoux, est une photographe accomplie. Son regard sait saisir dans le monde tout ce que la lumière peut offrir de magique et de surprenant. Mais la rigueur des compositions et des cadrages rejoint le grand talent classique. Une confrontation étonnante et féconde à ne manquer sous aucun prétexte. En lien avec l'exposition Ombres et Lumières, vous pourrez assister à une conférence intitulée La part de l'ombre le jeudi 14 janvier à la Maison Vaillant. Bon Noël.
Bernard Mancienne, entouré de Marie-Josiane Dégery et de Fernand Biollet, tous deux conseillers municipaux, a rendu visite aux maisons de retraite de Verrières afin d'offrir des chocolats aux résidents. Une pensée de Noël pour nos aînés très appréciés de nos retraités. Les journées portes ouvertes du club informatique Minerve auront lieu le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février au centre André Malraux, porte G. Le club informatique Minerve est au service de vos passions. Les élus de Verrières-le-Buisson vous invitent à fêter le nouvel an en partageant une boisson chaude devant l'hôtel de ville le samedi 9 janvier 2010 de 9h à 13h. Le 5 janvier 2010, les Mardis de Verrières vous proposent une conférence débat de l'écrivain Christiane Collange qui nous parlera de la dictature de l'apparence. Par devenir bourru quand on vit seul. Oh, mais pas du tout, je comprends que vous aimiez être seul et... Dites-moi, Madame Van Opère est une amie à vous ou est-ce une parente? C'est seulement ma patronne, je ne suis que sa demoiselle de compagnie. Il y a des compagnies. Laissons-les déjeuner tranquillement. Et retrouvons-les le samedi 9 janvier à 18h au Colombier pour découvrir ce conte de fées cruel et vénéneux et savoir si la frêle, innocente et nouvelle Madame de Winter sera par amour se substituer à Rebecca morte mystérieusement. Le lundi 25 janvier, Patrick Bernard et Freddy Boller, dans le cadre de Connaissance du Monde, nous feront voyager au Kenya et en Tanzanie à la découverte des Maasai et des peuples oubliés. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson. La municipalité de Verrières vous souhaite de joyeuses fêtes.